Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui ma petite copine Annabelle. Voilà, c'est de la toute nouveauté de chez Tonton. Donc, on va voir ensemble comment ça se passe. Je vais la découvrir en même temps que vous dans cette vidéo. Elle est pas mal articulée. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Il doit y avoir un genre de tige de fer à l'intérieur. On va pas pouvoir voir ce qu'il y a derrière la robe. C'est une réplique identique, hein, de ce qu'on peut retrouver dans les films. C'est vraiment la taille réelle, elle fait un peu plus d'un mètre. Au niveau du poids, elle n'est pas très lourde, je dirais qu'elle fait dans les 4-5 kilos. Elle est limitée en nombre d'exemplaires. Là, nous avons la main qui peut tourner avec des traces de sang à l'intérieur. Et les doigts, on dirait limite qu'elle a les deux doigts de là qui sont pétés. Non, non, pas forcément. Elle est quand même vachement impressionnante. Voilà, je pense que c'est le même système. On va regarder sous la jupe d'Annabelle comment ça se passe. Là, la robe est juste magnifique. Au niveau du tissu, c'est quand même assez épais. On voit que c'est de la qualité, c'est des vrais vêtements. Ça fait super plaisir. Il y a un petit peu tacheté un petit peu partout. Voici le body, comme il se présente. C'est de la mousse à l'intérieur quand on touche. C'est assez difficile de vous présenter Annabelle. Puis moi, je n'ai pas l'habitude des reviews. Et tonton, doucement, petit à petit, hein, les reviews sur la chaîne. Allez, Tress, il ne faut pas trop s'amuser avec parce qu'à mon avis, ça peut se détacher assez facilement. Je l'ai acheté directement sur le site de Figurine Collector. Je vous en avais déjà parlé. Je risque de vous en parler souvent sur la chaîne. Il n'y a pas de placement, il n'y a pas de partenariat, rien du tout. C'est juste que, voilà, c'est la plus grosse boutique et d'ailleurs une des seules qu'il y a dans ma région. Je crois même que c'est la seule boutique. Oui, c'est clairement la seule boutique dans ma région qui propose autant de diversité, où on peut trouver des pièces exceptionnelles qui ne ressemblent pas à des pop. Au niveau, alors regardez les yeux. J'espère que vous allez bien voir. J'essaie vraiment de m'améliorer au niveau de la qualité au fur et à mesure des vidéos. La tête est articulée. Alors, je vous l'avais pas montré tout à l'heure, mais voilà, on peut. Pour du coup, quand on bouge la tête. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du buste taille réelle de Venom. Je vous avais dit que je dormais avec parce qu'en gros, c'est un buste qui se trouve dans la chambre. Elle, je ne la mets pas dans la chambre. Elle ira aux toilettes. Hein. Je vous dis direct. Pas dans la chambre. Pour la couleur, c'est un genre de bleu-gris au niveau des yeux. Nous avons. Alors, les cheveux, clairement, j'ai l'impression de toucher des véritables cheveux. Oh, j'en ai des frissons rien qu'à placer mes doigts à l'intérieur de la chevelure. Là, ici, j'adore au niveau du cou, c'est totalement craquelé. Ici aussi, je ne sais pas si vous avez vu le film sorti. La rose est en tissu, c'est la véritable. Franchement, c'est comme dans le film. J'ai Annabelle chez moi. Elle est juste dingue. Je voulais vous montrer les mains. Alors, les mains qu'on peut faire tourner dans le sens qu'on veut. Clairement. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas du tout fait pour être réaliste. C'est pas censé ressembler à une actrice. On n'est pas censé avoir un effet de peau comme sur l'être humain. On reste sur une poupée par rapport au film. Donc, c'est la réplique d'une poupée. C'est comme si je vous présentais Chucky. Hein. Petite frange au niveau du tissu. Très, très. Je m'attendais pas à une qualité comme ça, surtout pour le prix. La marque, c'est Trick or Treat. C'est un peu imprononçable, j'ai du mal avec cette marque. C'est la première fois que j'ai un objet de collection de cette marque-là. Je suis hyper agréablement surpris. D'habitude, les tailles réelles comme ça, on peut trouver du Chucky, des choses comme ça. C'est plus version NECA. Moi, quand j'ai du taille réelle, c'est surtout de chez NECA. Là, on est clairement un niveau au-dessus pour un super rapport qualité-prix. Je ne sais plus exactement combien je l'avais payé. De toute façon, toutes les informations seront directement en description de la vidéo. Alors ça, dans une pièce. Alors, vous savez que tonton adore tout ce qui est taille réelle dans une pièce. Un petit peu une petite pièce cinéma, une pièce de collection. Ça claque vraiment, vraiment beaucoup. Nous avons plusieurs nuances de couleurs, plusieurs teintes de couleurs. Toujours pareil, on peut toucher là, c'est vraiment comme si c'était réellement fracturé. Il y a un petit léger relief. La matière, je sais pas trop, on dirait un plastique très dur, peut-être même autre chose que du plastique. Je pense pas que ça soit de la résine. Nous avons plusieurs nuances de couleurs au niveau de la joue ici, du rouge un peu rosé,
Après, vous connaissez Tonton. Tonton et les couleurs. Moi, j'ai appris les couleurs aux toilettes. Oui, parce que quand on met du produit bleu dans la cuvette et qu'on fait pipi jaune, ben, ça fait du vert. Évidemment, comme les bras, les jambes sont bien articulables, il faudra faire quand même assez attention de ne pas la maintenir debout. Alors sur une chaise comme ça, il y a tout son effet, hein, clairement. Mais je ne sais pas encore comment je vais l'exposer chez moi. Je pense la laisser debout comme ça, avec peut-être un système de fixation très discret pour justement qu'il n'y ait pas de problème. Ou sinon, je la laisse directement dans l'emballage parce que la boîte, elle est juste, c'est juste une dinguerie la boîte. Et une poupée taille réelle comme ça avec la boîte, c'est juste, ouais, je crois que je vais la laisser exposer en boîte. Là, je l'ai déballée vraiment pour vous faire la vidéo, mais je crois que je vais la remballer et je vais l'exposer avec sa boîte fenêtre. Il faut le voir vraiment pour s'en rendre compte. En vidéo, je ne sais pas si ça va bien rendre, mais les cheveux, c'est ouf. C'est pour moi, ce sont des vrais cheveux. Là, on est sur un niveau au-dessus. Clairement, c'est des véritables cheveux. C'est juste dingue. Ouais, il y a tout un système. Ça a été sûrement collé au niveau du crâne. Waouh, super beau. Ben voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. Une vidéo très vite arrive. Je pense que je vais tourner des vidéos tous les 3-4 jours. En ce moment, il y aura des vidéos qui vont sortir. Je ne suis pas vraiment limité au niveau de ma collection qui s'agrandit de plus en plus. Et du coup, n'hésitez pas à venir. Il y aura de tout. De l'horreur, du manga, des films d'action, des super-héros, tout ce que vous voulez. Et il peut y avoir sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de la partager au plus grand nombre pour que vraiment cette chaîne évolue et avance, qu'on puisse tous ensemble faire une grande famille. Voilà, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao!